Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien aller. On poursuit l'aventure du jeu Resident Evil 4 Remake, chapitre 10, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Sur l'ambre. Désolé, pas encore. Mais mon charmant petit assistant cause une belle pagaille. Tout se passera comme prévu. Encore faut-il que tu gardes ton chien sous contrôle. Il est utile et prévisible. Bien, tu peux le garder. Mais ne viens pas pleurer si tu te fais mordre. Ada ? J'imagine que non. Alors j'ai une info pour toi. Quelque chose d'important se prépare dans la salle du trône. Dur le babysitting, hein ? Hé, hey, Ada ? Ada ? Elle change pas. Quelques nouveautés qui devraient être bienvenues. J'ai mis la main sur quelques raretés étrangères. Raretés étrangères. Oh. Reviens quand. Bienvenue. J'achète tout et n'importe quoi. J'ai encore quelques petites nouveautés qui pourraient t'intéresser. Tu fais des réserves au cas où, c'est une sage décision, ça. Ma marchandise est en parfait état, je te le promets. Avec ça, tu vas réduire tes ennemis en couille. Essaie d'y faire attention, d'accord? Une arme modifiée permet de compenser un manque de compétences, l'ami. Et voilà, comme tu l'as demandé. De quelle arme vas-tu repousser les limites? Appelle-nous quand tu voudras en améliorer une. Comment? Tu veux savoir? Ah, ça, c'est une valeur sûre. J'ai en fait...
bonne route. Chercher les amours, les courages pour se débarrasser de ce chevalier monstre. C'est pas là où je voulais aller. Ben là, faut que je vois. Ah, c'est là que j'allais tantôt. Hein. Je me suis éloigné. Le chevalier sans pitié, c'est lui.
Au devant. Et voilà le travail. Mike, tu es une fois, c'est pas pire.
J'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami. Une affaire bien concrète. Pas te faire tuer. Bienvenue. Trésor ou babiote. Merci. On commence à bien cerner tes goûts, mes trois. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. Être utile. Reviens quand tu veux, surtout.
nouveautés en stock. Bienvenue. J'ai mis la main sur quelques raretés étrangères. Une affaire bien conclue. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Oh, ça, t'en auras pour ton argent, je te le garantis. Elle va pas te faire tuer, hein? Ah! Juillet, 2 ans après mon réveil, Maître Ramon m'a confié une noble mission, celle de corriger les défauts de notre forme humaine afin d'atteindre la perfection observée chez nos frères et sœurs arthropodes. Je suis prêt à consacrer ma vie à cette cause. Janvier, 4 ans après mon réveil, mes efforts pour transfuser le liquide noir dans le corps sont sur le point de payer l'éthérus et la clé. Une âme pure se réveille, être super hautement malléable et capable de s'adapter. Janvier, 6 ans après mon réveil, j'ai baptisé cette larve sacrée extraite du ventre de quelques élus, le U2, en référence à mon prestigieux nom de famille. Les U2 sont maintenant presque aussi grands qu'une personne adulte et continuent à se nourrir et se reproduire. J'ai aussi créé une nouvelle espèce. Maître Ramon a reconnu les efforts et m'a couvert de louanges. Il s'est pris d'affection pour les U2, les appelant Novistador ou les Invincibles. Les invisibles. On m'a dit que sa sainteté Lord Sadler en personne était également satisfait de mon travail. C'est un immense honneur. Je peux à peine voir le point de ma plume à travers mes larmes de joie, son humble serviteur Isidro Uriart Talvavera.
juste une chose que j'oublie. Ah, peut-être que je les ai toutes faites. Je suis chanceux. Sérieux, Ramon, tu devrais faire venir un désassortisseur.
Et voilà. Je l'entends, mais je le vois pas, hostie.
Ah, il est là. Je sais quoi faire là. Thank you.
attirer les Twins tout le temps qu'ils arrivent.
Putain, tout décolle ici dans ce maison là, c'est beau. Léon, stop! Ne t'approche surtout pas! T'es blessé? Attention! Non! Allez-y, poursuivez. Non! Ne résistez pas, très cher. Cela ne ferait que rendre votre souffrance insoutenable. Pitié! Pitié! Aquí nos despedimos, señor Kennedy. Tiens bon, Ashley. Je vais venir te chercher. Du trou, hein.
Il s'est planté. Le gilet va pas tenir.
Juste deux places, that's it. Encore un mort, comme mes deux jours. Pas assez depuis qu'on en a mis. On m'a jeté ici les maigres restes de nourriture que l'on nous avait donnés. Au début, ce sont des histoires anciennes. Nous n'avons plus rien. La faim et la soif sont si insoutenables que la plupart d'entre nous, on s'en réduit à boire cette roue morte. Non. Le premier à s'être transformé est Herminio. Lui, il était pourtant affaibli et au point de ne plus pouvoir marcher, ou soudainement devenu fou. Le temps que sa fureur prend fin, deux personnes sont mortes. Je pense que nous devons. Nous ne devions pas toucher à cette eau noire. Ce cher Abel Lardo est mort à son tour. Il ne sera pas tué jusqu'au bout. La seule chose que je peux faire désormais, c'est d'honorer les corps de tout le monde et prier pour que leur âme trouve paix. Ô Seigneur, pourquoi nous affliges-tu cette épreuve?
je peux faire pour toi. J'achète tout et n'importe quoi. Étranger. Oh. Et... Maman te fait rien nu. Comme neuf. J'adore nos herbes, ça oui. Guérir un homme, tuer un... Je te donnerai ça quand t'auras assez de place. Est-ce que je peux t'aider? Reviens quand tu veux. Quoi puis-je t'être utile? La douche. L'azote liquide qui a été demandé le mois dernier ont bien été installés. Avertissement, l'azote liquide est une substance extrêmement dangereuse pour entraîner des brûlures cryogéniques. La cécité, voire la mort, veuillez faire preuve de prudence et la manipulation.
9 ans après mon éveil, lorsque j'ouvrirai cette valve de liquide noir, entrera dans mes veines et circulera dans tout mon corps. Je m'attends à ce que ce soit l'expérience la plus douloureuse de toute ma vie. J'attends cette épreuve avec impatience. C'est un honneur d'endurer le travail sacré, la renaissance. La prochaine fois que j'ouvrirai les yeux, je serai le véritable serviteur de Maître Ramon. Moi, Isidro Uriat Talavera, je fais ce serment, j'irai au-delà des limites humaines et deviendrai un vrai serviteur de Dieu. Je traquerai les hérétiques et serai leur bourreau, leur verdugo. Ces gens ont un problème. L'équipement en service afin d'économiser l'électricité, le courant a été coupé pour certains équipements, notamment l'ascenseur. En cas de besoin, vous pouvez rétablir à l'aide d'un disjoncteur situé tout au fond du laboratoire. Tellement surpris.
C'est le clébard de Ramon. Qu'est-ce que tu prépares ? Mon gilet va pas tenir.
jouer à cache-cache, c'est ça? Qu'est-ce que tu prépares ? Condoléances à ton maître.
souffrance peut prendre fin, comme elle a pris fin pour notre petite dernière, qui nous a rejoints dans la communion désormais. Elle est notre chair, notre sang. Mon fidèle disciple lui montrera la voie. Allez, offre le salut à ces pauvres âmes égarées. À vos ordres. Je vais te faire un prix d'amis. C'était Lance. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu Resident Evil 4 Remake, chapitre 10, live, sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!